Bonjour tout le monde, c'est Ève et aujourd'hui je voulais vous parler de ce très bel oracle de Lisa Hunt et Leslie Morrison. Alors j'ai du mal à le prononcer, je suis désolée, donc c'est la troisième fois que je recommence parce que j'arrive pas à le prononcer. The Winged Enchantment Oracle Deck. Voilà. Ouais, je suis pas très douée en anglais, pourtant j'arrive à m'en sortir avec cet oracle-là. Donc c'est une grande boîte, enfin une grande boîte, par rapport à un tarot classique. Je prends celui-là par exemple, vous voyez, il est quand même beaucoup plus grand. Ce sont des grandes cartes. Et c'est un oracle qui est inspiré par la mythologie des majestueux oiseaux, grands et petits, avec de grandes cartes de belle qualité et qui mêlent, les illustrations mêlent le règne animal et humain dans un univers onirique et symbolique coloré et qui nous prépare et qui nous propose des messages courts et efficaces pour chacune des cartes et également une affirmation poétique. Donc voilà comment il se présente. Donc vous voyez les cartes, ils s'ouvrent comme ça. Et ce sont des grandes cartes. Elles mesurent 15 sur 9. Il y en a 39. Et puis je vais déjà. Il est en anglais, hein, mais un anglais simple. Et puis les messages sont relativement courts. Donc on a une introduction. Et voilà, après on passe directement au message des cartes et à la fin, on a hop, plusieurs méthodes de tirage, dont le classique, la carte, le tirage une carte, trois cartes, la croix, et après des tirages dédiés et spécialement conçus pour cet oracle. Moi j'utilise ma petite application que je vous avais montrée pour traduire. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur cette application qui me traduit directement mes textes en dessous de la vidéo. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Si vous voulez évaluer l'anglais et le type de message. Et surtout, je pense que les illustrations sont suffisamment explicites. Je pense surtout aux personnes qui s'intéressent au chamanisme. Alors, le dos des cartes est comme ça. Il est satiné. Et pour des grandes cartes, parce qu'évidemment, tout est une question de rapport grandeur épaisseur, il est bien. Et je vais vous les présenter du coup pas dans l'ordre puisque je l'ai utilisé. C'est vraiment très beau, vraiment beaucoup de magie. Plein de petits détails, hein. Il faut vraiment. Heureusement que les cartes sont grandes parce qu'on peut vraiment profiter de chaque petit détail.
T'as vu les nuages qui ont des visages? Et la dernière. Voilà, donc c'est un oracle avec des petits messages de guidance très poétiques. On retrouve beaucoup de symboles du chamanisme, mais pas que, et que je trouve moi personnellement magnifique. Voilà pour ce jeu, et puis je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous.